Aujourd'hui, on parle d'une plateforme qui vous permet de construire votre propre stratégie automatisée de trading et qui intègre en plus les plus grandes plateformes d'échange centralisées. Donc, on va parler du projet Krill, de token symbole KRL. Vous êtes prêts? C'est parti. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on parle du projet Krill, un projet français qui a été lancé en 2018, le token KRL. Avant de vous parler de ce projet, je compte sur vous comme d'habitude pour liker la vidéo, pour vous abonner à la chaîne et également pour me rejoindre sur Twitter. Alors, cette vidéo est en partenariat avec le projet Krill, un projet qui possède une technologie assez intéressante que je souhaite vous partager dans cette vidéo. Alors, le projet Krill, qu'est-ce que c'est? C'est un projet qui a été lancé en 2018 par une équipe basée en France. Krill se décrit comme une plateforme de construction de stratégies automatisées où vous n'avez besoin d'aucune compétence de développement. Les utilisateurs peuvent créer et exécuter des stratégies de trading crypto sur le cloud, donc c'est ouvert 24h sur 24, 7 jours sur 7. Il dispose d'un éditeur qui vous permet de glisser et déposer différentes techniques. Un marketplace est également disponible et permet aux utilisateurs de choisir parmi des centaines de stratégies créées par la communauté. Les traders plus expérimentés peuvent créer leurs propres stratégies avec des indicateurs techniques complexes comme le RSI, le MACD, le Ichimoku, des indicateurs techniques complexes sans aucune connaissance en programmation à l'aide d'un éditeur visuel. Donc le token KRL, c'est le carburant de la plateforme Krill et il permet aux utilisateurs d'exécuter des stratégies. Aujourd'hui, le token est à un prix de 2$ avec un market cap de 76 millions de dollars. Le projet évolue sur la blockchain Ethereum et le prix a récemment vu un all-time high, un sommet à presque 5$. Le token aujourd'hui est disponible sur les plus grandes plateformes d'échange centralisées, donc Coinbase, KuCoin. Et donc Krill a permis de trader aujourd'hui plus de 5 millions de dollars sur leur plateforme en utilisant plus de 320 stratégies. Donc les trois outils qui rendent la plateforme Krill assez complète sont le fait qu'elle dispose d'un marketplace qui est ouvert 7 jours sur 7. Cela signifie que les stratégies de trading sont construites par la communauté et par des experts en trading. La plateforme dispose également d'un outil qui est très intéressant, c'est le Smart Trading qui vous permet de suivre les calls, les opportunités des traders ou alors même de créer vos propres Take Profit Stop Loss en seulement quelques clics. Le dernier outil, c'est l'outil Drag and Drop, donc glisser et déposer, qui vous permet de créer un nombre infini de stratégies et de les tester gratuitement. Et donc voici ici un exemple des stratégies qui marchent le plus sur la plateforme. On peut voir des retours sur investissement juste énormes. Sur le site internet, on a également accès au Marketplace, donc on peut voir ce qui est disponible sur le Marketplace actuel. Et donc il vous suffit simplement de choisir les stratégies que vous souhaitez utiliser et vous pourrez les utiliser pour vos investissements dans les crypto-monnaies. Alors on parle d'investissement, donc il faut savoir les bases du trading, de l'investissement en bourse dans les crypto-monnaies. On peut perdre de l'argent, on peut gagner beaucoup d'argent également. Faites toujours bien attention à regarder les stratégies que vous utilisez. Regardez des stratégies que vous comprenez. Utilisez les stratégies que vous adoptez vous-même. La technologie est là pour vous aider. Elle n'est pas là pour faire des miracles. Ça va être à vous de gérer le risque pour bénéficier du meilleur rendement. Donc voici ici un exemple de la puissance de l'éditeur de stratégie. Donc un éditeur drag and drop, donc qui vous permet donc de créer vos propres stratégies de trading sans aucune compétence en codage. Vous pouvez créer vos déclencheurs de prix, les analyses des couleurs, des modèles de chandeliers, des indicateurs techniques comme Ichimoku que j'aime beaucoup. La seule limite, c'est votre imagination. Alors niveau technologie, niveau interface, ils ont vraiment beaucoup pour plaire. En effet, ils permettent une gestion sur le cloud. En termes d'analyse, ils ont l'interface professionnelle TradingView, qui est l'interface la plus utilisée pour l'analyse technique. Ils ont l'application mobile qui vous permet de trader sur votre application. Ils ont également un système de sécurité qui vous permet de vous connecter directement à vos différentes plateformes d'échange. Et ils ont également une offre sans abonnement. Donc vous pouvez utiliser la plateforme comme vous voulez, quitter la plateforme quand vous voulez également. Alors ce qui est bien avec le Smart Trading, donc l'option qui m'intéresse beaucoup, c'est qu'on peut vraiment mettre des stop loss et des take profit de façon très facile. Et donc ça permet aux traders de lancer des stop loss, take profit en seulement quelques clics et de les partager avec ses abonnés et d'obtenir une commission sur chaque appel, sur chaque opportunité qui ont été partagées. Il y a également la fonction followers qui vous permet de suivre les signaux de vos traders préférés. Et donc c'est bien beau d'avoir cette technologie et l'interface pour permettre du trading intelligent, mais en termes d'intégration, est-ce que Krill est au point? Eh bien oui, ils sont au point complètement, car aujourd'hui Krill s'intègre aux principales bourses, donc les principales plateformes centralisées. Donc il y a beaucoup de nouveaux échanges qui sont ajoutés régulièrement, mais les plus utilisés sont Binance, KuCoin, Coinbase, Kraken, FTX. Et donc aujourd'hui, l'application est disponible sur desktop et téléphone mobile. Alors ça coûte combien d'utiliser cette technologie? Le calcul est très simple, c'est 1% de votre capital tradé pour un mois d'utilisation.
Il n'y a pas d'abonnement, vous ne payez que pour ce que vous consommez. L'interface intègre donc des données très précises du marché, et du coup c'est là contre enjeu le token KRL, car il nous permet de réduire les dépenses avec un programme de holding. Donc plus vous allez conserver les tokens KRL sur votre compte, et plus vous allez bénéficier des avantages de la plateforme, tels que la réduction des coûts. Donc les KRL ne sont pas bloqués, vous pouvez les retirer à tout moment. Mais donc par exemple sur 1000$, et si on prend un mois d'utilisation, la plateforme va vous prendre 10$, c'est-à-dire 1%. Mais si vous possédez des tokens KRL, par exemple si vous en possédez 5000, vous aurez une remise de 15% sur les frais que la plateforme prendra, et ainsi de suite. Et donc plus vous allez posséder de tokens, et plus vous aurez une réduction du prix sur les frais que la plateforme prendra lorsque vous allez utiliser leur technologie. Donc je trouve que c'est un système ingénieux, ça permet de récompenser, de donner de la valeur aux tokens KRL, mais également de récompenser ceux qui investissent dans le projet. Donc à noter tout de même que le projet à un moment était à un prix très bas, pendant un bon moment le prix était aux alentours de 20 centimes, aujourd'hui le prix est à 2$, donc c'est un x10, potentiellement sur le long terme le prix peut encore bien augmenter. Le market cap du projet, la valorisation est de seulement 76 millions de dollars. C'est un projet qui est à surveiller, qui a des bonnes technologies. Sur une prochaine vidéo, si ça vous intéresse, je pourrais vous faire des tests de la plateforme, en essayant donc pourquoi pas de mettre au point mes propres stratégies de trading, ou alors de suivre les stratégies de la communauté, en tout cas les stratégies qui rapportent le plus. Si le projet vous intéresse, je vous invite à les suivre sur Twitter, je vous invite également à les suivre sur Telegram. C'est un projet avec une équipe française, un projet qui semble avoir un chemin bien tracé devant lui, avec donc des technologies intéressantes. Comme d'habitude, je compte sur vous pour faire vos recherches. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne. On se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, faites attention à vous, investissez bien et à la prochaine. Peace.